Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo réaction au tout nouveau titre de TXT avec We Lost The Summer. Donc ils ont sorti cette chanson à peu près en même temps que Blue Hour. Blue Hour, voilà c'est ça. Donc ils ont sorti cette chanson à peu près en même temps ou vraiment très rapprochés l'une de l'autre. Donc pourquoi je vous parle de ça déjà? On va commencer par le départ, par l'introduction. Donc avant de commencer cette vidéo, voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si jamais mes vidéos vous plaisent. N'hésitez pas à liker cette vidéo si jamais elle vous plaît quand vous l'aurez regardée en entière. Et n'hésitez pas à commenter juste en dessous dans l'espace qui est fait pour ça, pour me dire tout ce que vous voulez par rapport au monde de la K-pop, que ce soit par rapport à ce comeback, au précédent comeback, à un autre groupe, tout ce que vous voulez, allez-y. Et puis écoutez, ben nous on va tout de suite commencer cette vidéo, allez. C'est parti. C'est parti. L'intro historique. Waouh, les cheveux roses et longs. Oh non! Oh my god. Oh, oh. Les barrettes dans les cheveux. Oh, sa coiffure. Oh non, le vidéo call qu'on a tous vécu cet été. Oh, d'accord. Bah ça fait référence à l'été qu'on a passé cette année. On n'a pas pu sortir. Enfin un petit peu mais... Et regarde les... quand ils sont en vidéoconférence, ben... Yes! Oh ce look. Oui parce que effectivement on a passé un été très particulier. Oh, une année très particulière même hein. C'est cool les quand ils sont en mode manga. Le chien qui va aller se promener. C'était à peu près le seul moment où on pouvait sortir. Ça fait bizarre parce que ça... Il y a un petit son qui fait très été. Alors que là... on est en novembre quoi. Les masques. Ouais, hier, yes, bientôt. Yes. Et pas dans la neige à la fin. Et voilà une autre chanson qui parle bah de l'année de merde qu'on a passée. Sauf que c'est pas... Alors,
la première personne qui ont parlé de... Enfin, que j'ai entendu qui ont parlé de cette putain d'année de merde, je crois que c'était Mamamoo avec Dinga. Ensuite, on a eu BTS avec Life Goes On. Et là, on a TXT, donc encore un autre groupe de Big Hit qui parle aussi, sauf que ça n'a pas du tout la même tonalité. Je dirais que ça a plus la tonalité de Dinga. C'est une chanson qui a un rythme beaucoup plus joyeux, entre guillemets, beaucoup plus léger, beaucoup moins dans l'émotion que Life Goes On. Après, je dis ça, je suis pas vraiment objectif hein, quand je parle de BTS, donc bref. Là, on n'est pas là pour parler d'eux, on est là pour parler de TXT. Donc ils ont aussi abordé le sujet de cette année merdique complètement, en abordant le fait que, comment dire, cette catastrophe est arrivée au début de l'année, même un peu avant, fin d'année 2019 je dirais. Et ça s'est vraiment aggravé au début de l'année 2020 et vers mars, tout le monde a, littéralement le monde, a commencé à se confiner, à fermer ses frontières, etc. C'était en mars, je crois. Donc forcément, et depuis, on en est toujours au même point. Voilà. Donc forcément, on a passé un été un peu particulier, parce que même si on nous a donné l'autorisation de partir et de bouger, entre guillemets, entre les régions, pour passer quand même les vacances d'été, pas coincé dans son appart parce que ça aurait pas été possible, c'était quand même très particulier parce qu'on n'était pas libre de voyager, puisque de toute manière, même si on voulait partir à l'étranger, t'as cette putain de quatorzaine qui t'attend à l'arrivée, donc ça sert pas à grand chose, à part à perdre 14 jours dans un autre pays, mais du coup tu perds de l'argent, et puis t'as pas autant de temps, enfin bref, voilà. Donc effectivement, on a un peu passé un été très particulier, et c'est pas un été comme les autres années et un été normal, on va dire. Donc là, il parle en fait de ça, mais à travers cette période très particulière qu'on a perdu notre été, quoi. Et qu'on veut le récupérer, en gros, du coup, métaphore de « on en a ras-le-bol de ce punaise de Corona ». Genre, faites que ça s'arrête et vite, que genre, stop, ça va faire un an bientôt. Un an! Au secours, bref, voilà. Alors, au niveau musical, je disais que c'est un refrain, une mélodie beaucoup moins triste, mélancolique. C'est quelque chose qui s'écoute vraiment facilement, qui a même, je dirais, une petite vibe un peu été, justement. Ce qui est très bizarre, puisque du coup, on est presque en hiver. Donc c'est un peu bizarre de l'avoir sorti maintenant, mais en même temps c'est cohérent avec les paroles, parce que il parle de l'été qui vient de passer. Donc s'il l'avait sorti en été alors qu'on était en plein dedans, ça aurait, il y a quelque chose qui aurait pas fonctionné. Donc en même temps c'est logique qu'il ait sorti maintenant. Au niveau du MV, je trouve qu'il est aussi très explicite. Donc juste, on a des plans de tous ensemble à l'extérieur quand ils peuvent s'amuser, etc. Et les plans d'après, c'est aussi E5, sauf qu'ils sont en vidéoconférence, enfin en FaceTime, en écran interposé. Voilà ce qui est notre vie maintenant depuis beaucoup trop longtemps, c'est-à-dire que maintenant on vit nos relations sociales à travers un écran, super, bref, bon, pas en ce moment, pas vraiment, parce que là, c'est un confinement sans vraiment en être un, on est d'accord. Et donc, le MV est assez explicite, hein, j'ai envie de te dire, on les voit aussi faire les activités de base qu'on peut faire à la maison quand on s'ennuie, donc les puzzles, les FaceTime, machin, regarder à l'extérieur, par sa fenêtre, en espérant que la situation s'améliore à un moment donné, tu vois. Et les looks, il faut absolument que je parle des looks, parce que les looks étaient magnifiques. Surtout Yeonjun, mon dieu, ses cheveux longs, mi-longs, longs, je sais pas, au niveau des épaules, là, rose. Oh, avec sa coiffure, mais genre il avait une demi-queue de cheval avec des barrettes. Trop beau, et même son espèce de grand débardeur blanc là, avec, ils lui ont mis plein de tatouages. Oh, ce look est absolument magnifique. Genre franchement, à chaque fois je trouve qu'il a les meilleurs looks, il a les looks les plus originaux. C'est, je sais pas, ça lui va trop bien, c'est trop beau. Voilà, niveau chorégraphie, ça,
On a vu surtout le refrain, je pense. Ça m'a pas marqué plus que ça, donc c'est que la chorégraphie m'a pas envoyé des étoiles plein les yeux, tu vois. Du coup, je sais pas, à voir, mais bon, bref, voilà. Vous avez à peu près compris ce que je pensais de ce comeback, je pense. Donc, bah écoutez, c'était ma réaction à ce tout nouveau titre de TXT avec We Lost the Summer. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne toujours, à liker cette vidéo si elle vous a plu, maintenant que vous l'avez regardée en entière. Et n'hésitez pas à laisser bah, juste en dessous des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de ce comeback. Et puis, bah écoutez, moi je vais vous souhaiter une bonne matinée, une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis, on va se retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo. Salut tout le monde! 'Cause we lost the summer.